Qu'on appelle la chance, c'est quoi? C'est être au bon endroit au bon moment. Mais si derrière, tu n'as pas d'éthique, tu n'as pas de discipline, tu n'as pas de vision, tu n'as pas de persévérance, tu n'es pas smart, ben ça ne marche pas en fait, les gars. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien aimé la dernière fois. N'hésite pas à mettre un j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo. Non, parce que tu vas aimer, tu sais déjà. Ici c'est Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être déterminé, passer à l'action, être devenu une meilleure version de toi-même, faire aussi de l'oseille, ok? Et pour ça, il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20K en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Est-ce que tu as fait 20K en une semaine? Non. Voilà, donc à ce moment-là, jette un coup d'œil. Je veux dire, voilà. Les gens, ils sont. C'est pas pourquoi le manque d'humilité, les gars. Si les gens qui ont des résultats que vous n'avez pas, c'est parce qu'ils savent des choses que tu ne sais pas. C'est aussi simple que ça. Et c'est valable pour moi aussi, les gars. Je suis pas mieux que toi. J'essaie juste d'apprendre le plus, au maximum, et de, en plus de vous repartager tout ce que j'apprends. Deuxième chose, c'est ma formation Pirate Marketing où je te montre exactement les stratégies pour atteindre au minimum les 5K par mois. Ok, et la formation est 100% finançable pour l'instant, je ne sais pas jusqu'à quand. Et tu as tous les bonus complémentaires en plus sur l'immobilier, l'e-commerce, la crypto, comment investir dans les startups. Bref, en tout cas, si tu veux aller plus loin par rapport à ça, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description. Tu mets ton prénom, ton numéro de téléphone, il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler. Et tu pourras poser toutes tes questions, on pourra monter ton dossier avec toi si jamais tu veux utiliser ton CPF pour pouvoir y accéder. Après, on aura les accès à Pirate Marketing. Et après, il va falloir charbonner, ce ne sera pas facile, ce sera dur, ce sera plus long que prévu. Voilà, ça c'est fait. Et arrêtez de chialer les gars, j'ai grandi à Évry dans 91, j'ai redoublé mon BEP électrotechnique, j'ai grandi dans le quartier des pyramides les gars, donc arrêtez de trouver des excuses. Hein. Après je me plains pas d'avoir vécu dans le quartier des pyramides, hein, parce que j'ai eu au téléphone, ma mère l'autre jour a dit oui mais tu sais qu'on était aux pyramides, moi c'est pas moi qui voulais vivre là, à un moment donné je voulais bouger, nanani. J'ai calme-toi maman, c'est juste pour dire, j'ai une enfance très bien, ça s'est très bien passé aux pyramides, j'ai pas de problème avec ça, on ne regrette pas d'où on vient, ça fait l'homme que je suis aujourd'hui. Bref, et passons directement au sujet de la vidéo. La question que les jaloux ne se posent jamais, tu connais ce genre de jaloux qui est toujours en train de rager dans les commentaires, ouais mais oui c'était facile pour lui, de toute façon lui c'est un fils à papa. Toutes les excuses que les jaloux se trouvent pour pouvoir justifier le fait que leur vie est éclatée. Parce qu'évidemment, c'est plus facile de dire que, en fait, pour les autres, c'est plus facile. Et moi, c'est super dur parce que ma vie, elle est super dure et que moi, j'ai pas de chance parce que ceci, parce que cela, blablabla, blablabla. Tu vois, ça, c'est le classique. Donc, je me suis dit, tiens, ça me donne une idée de vidéo. Et comme tu sais, je suis à une vidéo par jour, frère. Quand j'ai une idée, je la mets. De toute façon, tu sais jamais quand la vidéo va fonctionner ou pas. Tu peux pas savoir. Ça veut dire que des fois, j'ai des idées, je pense que la vidéo, elle va être éclatée. Mais je dis, vas-y, on respecte la règle. J'ai l'idée, j'ai fait. C'est le marché qui va décider si jamais ça les intéresse ou pas. Voilà. Après, des fois, je pense que la vidéo l'a éclatée, elle marche super bien. Ah bon, bah ok. Et il y a des fois, je me prends la tête, je lis des livres, je fais des résumés de livres, tac, machin, je prends les notes et tout, nanana. Tout le monde s'en bat les reins. Il y a des fois, je suis juste là, je suis en train de parler, je pense à un truc, j'allume la caméra, boum, machin, ça marche super bien. Tu sais jamais en fait. C'est pour ça qu'il faut passer à l'action, les gars. Passe à l'action. Et au fur et à mesure, tu améliores. N'attends pas longtemps pour pouvoir lancer un truc ou là, c'est dans le cadre d'une vidéo, mais même si c'est un produit ou n'importe quoi, passe à l'action parce que tu vas t'améliorer au fur et à mesure. Parce que de toute façon, il te faut les retours des gens. C'est comme des fois, les gens me disent « Ouais, mais qu'est-ce que tu en penses de ça? Si je fais ça, est-ce que tu penses que ça va marcher ?» Alors évidemment, j'ai une expérience quand même parce que j'ai fait dans la musique, le business en ligne de la musique, dans la santé et là, dans le business. Donc, j'ai une petite expérience. C'est pas faux. Mais même, ma réponse, c'est toujours « Gratis ». En fait, c'est le marché le mieux. Même moi, je peux te dire, ah ouais, je pense que ça va bien fonctionner. Et puis finalement, ça ne fonctionne pas parce que toi, tu n'as pas la même personnalité ou tu n'as pas la même audience. Tu vois, enfin, test en fait. Okay? Bref, en tout cas, pour revenir aux rageux et aux jaloux, je me suis dit, en fait, les rageux ne se posent jamais cette question-là. Tu vois, le gars que tu dis qui a de la chance, est-ce que tu as checké pour savoir les années où il est en train de charbonner, à quelle heure il se levait tous les matins? Parce que je connais personne qui a réussi, qui n'a pas eu un moment où ils charbonnaient en fait. Ça n'existe pas en fait. Les gens sont dans une fantaisie, frère. Ils pensent qu'ils vont avoir de l'argent, ça va tomber du ciel. Je connais personne qui, à un moment donné, il avait son taf et à côté de son taf, sur tout son temps libre, il charbonnait sur son business. Donc c'est où il se levait plus tôt. Moi, c'était compliqué parce que je me levais déjà à 5h du matin pour mon taf. Donc enfin, je ne pouvais pas me lever encore, même pas 4h. Je me lève à 4h.
Ouais, donc je me levais à 4 heures. Donc je ne peux pas me lever à 3 heures. Tu vois, donc je bossais, mais après quand je rentrais, sur toutes mes heures de pause, je bossais. Il n'y avait pas Netflix, il n'y avait pas de sortie, il n'y avait rien de tout ça en fait. Donc les jaloux, j'ai envie de leur demander, mais t'étais où quand le gars se levait plus tôt ou quand le gars, pendant que toi, t'allais, tu faisais la grasse matinée samedi, le dimanche, que t'allais, tu faisais des barbecues, t'allais au cinéma, tu regardais Netflix toute la journée pour savoir qui est-ce qu'allait finir toute la saison de ton téléfilm préféré. Lui, il charbonnait. Autre question que le jaloux ne s'est jamais posée, c'est genre, au lieu de dire, ah, il y a de la chance, tout le monde, c'est sûr qu'avec la chance, on peut tous y arriver, je sais pas quoi. Est-ce que t'étais là les années où il a charbonné? Est-ce que tu t'es posé la question combien d'années il a charbonné pour pouvoir avoir ce qu'il a aujourd'hui? Combien d'années il a charbonné pour pouvoir avoir ce qu'il a aujourd'hui? J'ai vu d'autres commentaires, après je suis pas trop attention, donc je sais pas si c'est de manière générale, mais il y en a qui vont dire, ah ouais, Yomi, parce que je sais que tu le connais, Yomi il a eu de la chance. Mais frère, mais vous êtes sérieux les gars? Le gars, depuis plus tout jeune, il a déjà fait plusieurs business. Il était obsédé par pouvoir faire de l'oseille. Il est l'un des premiers à avoir mis en place ce système d'influence marketing. Je crois même que c'est le premier au monde. Ouais, mais gars, il faut donner à César ce qui appartient à César, frérot. Quand quelqu'un il fait le taf, il faut dire. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est le premier à avoir fait ça. Le gars, il fait le taf, il charbonne. Il a passé à un moment donné, je crois qu'il avait décrit une de ses journées. Le gars, c'était millimétré depuis trop jeune. Millimétré pour pouvoir tout déchirer parce qu'il savait ce qu'il voulait. Okay, il a fait Harvard, après il a fait les forces spéciales parce qu'il pensait pouvoir rentrer justement dans Harvard, etc. Il savait que ça allait rentrer dans son dossier. Il a tout planifié pour pouvoir faire de sa life, la life qu'il a aujourd'hui. Donc il a charbonné et comme j'aime bien dire, là où il est, il y avait quelqu'un qui était là avant lui et il n'a pas réussi à faire ce qu'il a fait. Pourtant, il était au bon endroit au bon moment. Okay, donc ça ne suffit pas. Parce que ce qu'on appelle la chance, c'est quoi? C'est être au bon endroit au bon moment. Mais si derrière, tu n'as pas d'éthique, tu n'as pas de discipline, tu n'as pas de vision, tu n'as pas de persévérance, tu n'es pas smart, ben ça ne marche pas en fait, les gars. Donc c'est sûr que ça soulage de dire, oh oui, il a eu de la chance. Et ça, je peux te dire ça, mais pour tout le monde, pour tous les gens qui réussissent. Autre question que les gars, ils se posent pas, les jaloux là, qui disent, ouais, il a eu de la chance. Est-ce que tu t'es posé la question de... Combien de fois il est parti en vacances? Eh ben, tu vas t'apercevoir, le gars, il n'est jamais parti en vacances. Ça se trouve, jusqu'à maintenant, il n'est toujours pas parti en vacances. Pendant que toi, tu étais allé en Espagne ou que tu allais au Maroc, All Inclusive, lui, il charbonnait. C'est-à-dire que moi, ce business-là, je l'ai commenté, jusqu'à maintenant, je n'ai pas pris de vacances. Alors après, bon, moi, c'est un lifestyle, donc franchement, je ne vois pas l'intérêt de prendre de vacances, en fait. Pour moi, je suis en vacances et je travaille en même temps. C'est la même chose. C'est comme. Je ne fais pas une partie personnelle, une partie professionnelle. Enfin, tout est mélangé. Enfin, il n'y a rien. C'est mon lifestyle, tu vois. Je me vois pas genre une semaine, ah ben je fais rien. Bah pourquoi en fait? Tu vois, je suis bien là. Si j'ai envie de par contre partir en week-end, je fais un truc, je fais, tu vois. Mais il n'y a pas de raison. Mais tout ça pour te dire que ça par contre les gars, les rageux, les jaloux, qui pensent que c'est de la chance, ils voient pas ça. Ils voient pas les moments où tu as charbonné, les années où tu t'es sacrifié. Après ça en vaut le coup, tu vois. Mais eux ils voient pas ça. Ils voient juste la fin de l'histoire et ils disent... Ah oh ben il pense que ça arrivait, c'est tombé du ciel. Tu vois, oh ben c'est tombé du ciel, le gars. Il était la chance. Ah non, le gars il a charbonné, il est pas parti en vacances. Pendant que toi t'étais en Espagne ou que t'étais, je sais pas moi, au Maroc. Enfin, comprends pas les gars. Vous allez en soirée tous les week-ends. Et après les gars ils se plaignent en fait. En fait, les gens ils sont fous. Gars. Les gens sont fous. Gars. Je pense aujourd'hui les gens sont fous. Gars. En fait, ils veulent juste avoir les mêmes résultats qu'un gars. Qu'a taffé, qui s'est sacrifié pendant des années, qui n'a pas eu de vacances, qui a charbonné, qui s'est formé, qui a appris tous les jours, qui est passé à l'action, qui a échoué, qui a chialé. Mais eux, ils veulent avoir tout ça, les mêmes résultats que ce gars-là, sans rien faire. Autre question que les jaloux, ils ne se posent jamais, c'est quelles sont les compétences que ce gars-là, il a appris pour pouvoir avoir les résultats qu'il a? De où il est parti? Quelles sont les compétences qu'il a apprises pour pouvoir avoir les résultats financiers qu'il a aujourd'hui? Ça aussi, ils ne se posent pas la question. Ils pensent que c'est pareil. Ils pensent qu'eux, ils peuvent avoir genre, les mêmes informations qu'ils ont aujourd'hui et ils pensent qu'ils vont gagner encore beaucoup plus d'argent. Les résultats que tu as dans ta vie aujourd'hui financiers, c'est lié par rapport à la connaissance que tu as au sujet de l'argent. Il n'y a rien de plus compliqué que ça. C'est aussi simple que ça, tu vois. Mais bon, tu connais, les jaloux préfèrent chialer, faire la grève et dire que c'est la faute de Macron s'ils n'ont pas d'argent. En fait, jusqu'à aujourd'hui, j'ai du mal à... Mon cerveau, il n'arrive pas à intégrer le truc de quand les gens ils vont dans la rue et ils disent « on veut plus d'argent ». Jusqu'à maintenant, j'ai beau tourner le truc dans tous les sens. Je sais que ce n'est pas politiquement correct de dire ça. Il faut faire genre « oui, on est avec vous les gars, si oui, c'est dur, tout ça ». Mais en fait, tu comprends pas en fait. Tu descends dans la rue pour dire au gouvernement, je veux plus d'argent. Mais frère, si tu veux plus d'argent, bah déjà, si tu, je sais pas, augmente tes compétences à ton travail, apprends à négocier ton salaire, parce que je comprends pas en fait. Ou change de pays. Enfin, t'es pas prisonnier en fait. Tu veux partir, tu peux partir.
ou crée ton business en ligne, personne ne t'empêche de créer ton business en ligne. En fait, tu veux plus d'argent, ben débrouille-toi, fais quelque chose en fait. Les gens, en fait, ils veulent de l'argent, mais sans rien faire. Et ils sont vénères de ouf, gars. Ils descendent dans la rue, comment ça, alors? Comment ça, on n'est pas, on veut plus d'argent quand même. Et tout le monde est là, ouais, c'est vrai ça. Franchement, j'ai l'impression que dans tous les domaines, il y a plus rien, le monde, il marche à l'envers. Que ce soit dans les relations hommes-femmes, que ce soit d'une manière générale, je suis débordé, je sais pas pour toi, je comprends pas en fait. On vit aujourd'hui dans une ère où tout le monde peut faire de l'oseille, ça n'a jamais été aussi accessible, quel que soit l'endroit d'où tu viens, quel que soit ton milieu social. Mais les gars, ils sont vénères. Hey Macron, bref, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Tu as tout en description si jamais tu veux aller plus loin avec moi. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Choisis ton camp.